Mesdames et messieurs, jeunes gens, bonjour. Le théâtre est fermé. Mais on a une idée pour vous. Bienvenue à l'ADEC virtuelle. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, l'ADEC ferme ses portes pour quelques temps. Et avec l'équipe, on a souhaité penser à vous et vous proposer un défi pour partager ensemble ces semaines à venir. Alors, nous, l'équipe, régulièrement, on va participer à ce bibliophile en mettant sur le site, sur les réseaux sociaux, des extraits de textes. On se sera enregistré, filmé ou enregistré avec le son pour vous transmettre ces textes qui sont dans le domaine public et qu'on peut donc partager librement. Et on vous invite à faire de même, à vous filmer avec vos proches chez vous, à rejouer une scène de théâtre que vous connaissez ou à partager en tout cas ces moments de texte ensemble. Voilà, on espère vous retrouver très bientôt, en bonne forme, et d'ici là, prenez soin de vous. Vous aussi, participez au bibliophile. Envoyez-nous vos vidéos ou vos prises de son à l'adresse contact@adec-theatre-amateur.fr. Je me chargerai de les relayer sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. N'hésitez pas, dans votre chambre, dans votre garage, dans votre cuisine, une lecture simple ou décalée, avec votre chat, avec votre chien, pendant 5 ou 10 minutes, allez-y à fond. À bientôt. La collecte de témoignages pour les 50 ans de l'ADEC continue. Vous pourrez me contacter sur histoire.adec@gmail.com. Vous pourrez m'écrire vos histoires, vos anecdotes d'ateliers, de spectacles, de répétitions. Vous pouvez donc soit écrire vos histoires, vous pouvez aussi me recontacter pour que je vous appelle, je vous enregistrerai sur mon téléphone. Et vous pouvez également m'envoyer vos photos, vos programmes, archives, affiches de projets auxquels vous avez participé et me les envoyer. À bientôt. On compte sur vous. À bientôt. Thank you.